Dario Mantovani m'avait demandé de dire quelques mots de conclusion, mais si vous êtes trop fatigué... Oui, je sais, ce type de question absurde, parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop fatigué. Donc, la réponse équitable serait d'essayer d'être très, très bref. Donc, je vais essayer très brièvement de donner quelques réflexions, hein, qui vont porter d'ailleurs pas mal sur ces questions de quantification qui sont derrière, évidemment, les algorithmes. Au fond, le titre du colloque peut s'entendre de deux façons. L'équité hors du droit, c'est est-ce que l'équité... à une juridicité, donc on pourrait se dire est-ce que l'équité c'est pas quelque chose qui est en dehors du droit, et puis ça peut être l'équité telle qu'elle circule dans d'autres disciplines que les disciplines juridiques, et on a vu ces deux sens s'entremêler dans la journée. Alors, sous le premier sens, il me semble que la réponse est claire, au moins on aura progressé aujourd'hui, c'est évidemment l'équité est un concept qui appartient au droit. Nous l'avons vu dès l'exposé du professeur Mantovani ce matin, et si vous faites une étude du droit positif français et européen, vous allez voir que c'est omniprésent, le renvoi à l'équité, hein, qu'il s'agisse de procès équitable, qui est une notion centrale de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est comme règle d'interprétation des dommages-intérêts, la possibilité de saisir le juge comme amiable compositeur plutôt que pour l'application du droit, les règles d'équité pour l'accès dans les campagnes électorales à la radio, il y a l'équité territoriale en matière de décision administrative, notamment sur la carte hospitalière, par exemple, vous avez ce genre de notion, ou bien l'équité intergénérationnelle en droit de la sécurité sociale. Donc c'est une notion qu'on rencontre partout. Alors, c'est pas seulement un principe situé, ce n'est donc pas un principe situé hors du droit, mais c'est au cœur du droit et qu'il a servi à la réalisation de deux dimensions de la justice. Je voudrais dire, il me semble que Simone Weil a bien, je parle de la philosophe évidemment, a bien situé le droit en disant que c'est dans une région moyenne. Vous avez dans le ciel platonicien des idées, une idée de justice, qui d'ailleurs va varier évidemment dans le temps, l'espace, en fonction des sociétés. Et puis vous avez la diversité, l'historicité des faits, la subjectivité. Le droit se situe entre les deux dans un processus d'abstraction et on pourrait dire que l'équité fonctionne comme stabilisateur. Elle est stabilisateur dans le rapport avec l'idée de justice par une donnée que j'évoquais tout à l'heure et qui est absolument centrale dans le phénomène juridique, c'est la ternarité, c'est l'appel au tiers. C'est le critère du phénomène juridique, je renvoie à Kojève. Il faut savoir compter jusqu'à 3 pour faire du droit, disait. Donc là, comme critère de recrutement, c'est assez facile du point de vue pour entrer dans une fac de droit. Mais si on s'arrête à 2, on ne peut pas. Ce qui pose des problèmes. Hein, les amis économistes, souvent, ils voient le contrat comme une opération binaire, ce n'est pas. Pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait référence à une loi qui donne force à l'accorder. Et même la propriété, pour que le rapport avec un objet déterminé puisse être garanti comme un rapport de propriété, il faut qu'il y ait une instance tierce qui le garantisse. Donc, la ternarité de l'ordre même du phénomène juridique, et c'est là que la notion de procès équitable, qui est dans la Convention européenne des droits de l'homme, est tout à fait centrale. Ça signifie à la fois qu'il faut un tiers impartial désintéressé, et il faut que chaque partie puisse donner son point de vue. C'est audi alteram partem, mais ça se trouve déjà dans la Bible, dans les proverbes. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Donc c'est ce sens de toujours écouter les deux parties. Ça c'est le premier versant où l'équité joue ce rôle de stabilisateur avec l'idée de justice. Elle le joue dans un deuxième sens, c'est dans le rapport avec la diversité des faits et avec l'historicité des faits. Et là, je pense qu'on le comprend tout de suite si on regarde l'histoire de la common law, puisque c'est là que la notion d'equity s'est développée de la façon la plus remarquable à partir de la fin du Moyen-Âge, où on avait un système de common law très formaliste et où un certain nombre de cas ne pouvaient pas être évoqués, on n'avait pas un droit d'agir. Alors on allait voir la source de toute justice qui était le roi, qui s'en remettait à son chancelier, qui était aussi son confesseur, et qui est dit le gardien de la conscience du roi.
Et c'est comme ça que la Cour de l'équité s'est développée à côté des juridictions de common law, et que, si vous voulez, pour un juriste de formation classique, anglais ou américain, il n'y a pas droit privé, droit public, il y a common law, equity. Et puis ces deux ensembles se sont mariés fonctionnellement, mais encore dans les raisonnements, les façons d'utiliser, il y a ces deux modes. Donc ici, on voit, et comment fonctionne la common law, c'est par l'attention au cas et la capacité de distinguer un cas de ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire, on va dire, il y a les précédents. Alors, c'est là qu'on se rapproche des algorithmes, vous voyez. On a la masse des précédents. Donc, si le cas rentre dans un précédent, c'est bon. Si ça ne rentre pas, on va faire une distinction, la technique des distinctions. Et à ce moment-là, eh bien, on va créer un nouveau précédent. Alors, je souligne ce point parce que le propre de la procédure et du recours à l'équité, parce que ça fonctionne en réalité dans les systèmes de droit continentaux de façon un peu semblable sous un autre habit qu'a évoqué rapidement Claudine tout à l'heure, Madame Tircelin, en parlant de jugement régressif, c'est-à-dire on sent que c'est ça qu'il faut décider, et ensuite on voit si ça peut rentrer, on peut lui trouver un vêtement juridique. Il arrive à la Cour de cassation, on a deux arrêts qui sont montés impeccables juridiquement, qui, en fonction d'une option qui en fait est une option en équité. Donc, vous voyez, ici, c'est un moyen d'ajuster la règle à l'historicité de la vie humaine, hein, et de ses milieux vitaux. Alors, en ce sens, on peut penser que l'équité est centrale aujourd'hui encore. Alors, si on prend le titre du colloque de l'autre point de vue maintenant, l'équité dans les autres disciplines que la discipline juridique. Alors, c'est ce qui nous a occupé presque toute la journée. Et là, on rencontre un problème épistémologique qui est assez fréquent. C'est la circulation de concepts qui, très souvent, sont nés, notamment en droit romain, et qui ont essaimé dans toutes les disciplines, pas seulement les sciences sociales. La biologie s'est emparée de l'idée de code. Et puis ensuite, ça a migré du côté de l'informatique, avec le même imaginaire du programme. C'est déjà écrit, qui est un imaginaire théologique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est circulaire. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. La loi, c'est d'abord la loi divine, puis il y a les lois de la nature qui remplacent la loi divine, en réalité, puis il y a les lois humaines. Bon. Donc, vous avez le concept de régulation qui nous vient de la biologie et de la technologie. Vous avez le concept de code, je l'ai cité, patrimoine hérédité en biologie, programme, ou solidarité, qui est un concept qui vient du droit romain, les actions in solidum, et puis qui va être au cœur de la naissance de la sociologie, notamment chez Durkheim, avant d'être réapatrié par le droit pour être un des fondements de l'État social. Donc vous voyez, ces migrations de concepts, et l'équité, évidemment, n'échappe pas à cela. Mais je dirais qu'il faut être prudent dans la circulation des concepts. Si vous allez à Athènes, vous verrez que vous allez prendre le métaphore, c'est l'équivalent du RER, c'est assez sûr à Athènes. Mais la métaphore est toujours une opération du point de vue épistémologique dangereuse, parce qu'un concept se développe dans un certain milieu, dans une épistémée, et si on le transporte dans un autre, c'est comme un peu les plantes exotiques qu'on amène, ou certains animaux rares, ça peut produire des effets désastreux. Alors on a pas mal d'exemples, malheureusement, hein. Le darwinisme social en est un, mais je pourrais vous en donner beaucoup, qui ont produit des effets dévastateurs parce qu'il ne faut absolument pas confondre la normalité qui est à l'œuvre dans les sciences qui s'occupent des faits avec la normativité délibérée qui est le propre de la décision juridique. Qu'elle soit démocratique ou pas, mais c'est toujours une normativité délibérée. Alors, les deux registres sont différents. Là, il faut lire Canguilhem. Notamment, il y a un petit texte de Canguilhem qui a été publié dans les écrits sur la santé, je crois, qui est une conférence qu'il avait prononcée à Strasbourg au début des années 50 sur la notion de régulation en biologie et dans les affaires humaines. Il dit quand dans la biologie, la régulation, elle est inhérente à l'organisme lui-même. S'agissant de la société, il faut toujours poser une référence qui va permettre de savoir si on est dans le juste ou dans la normativité juste ou injuste, si vous voulez. Donc, le danger avec l'équité, il me semble que c'est une des tendances lourdes aujourd'hui de la prolifération de la notion dans nos 10 champs, c'est que c'est saisi comme un moyen de mettre le droit
de côté le droit avec ses difficultés, son principe du contradictoire, etc. Au fond, ce n'est pas un problème si neuf. Il se posait déjà à Athènes. Je vais donner la voix là à un homme vis-à-vis duquel j'ai une très grande dette, qui a été professeur dans cette maison, qui est Jean-Pierre Vernon. Et il fait cette réflexion à propos de la naissance de la démocratie en Athènes, et puis les pages assez sévères que Platon a au fond sur les lois humaines. Alors, il parle, l'inventeur de la démocratie étant Clisthène, bon, ça pourrait marcher pour Solon, mais enfin je ne vais pas vous embêter avec ça. Je cite Vernon. « Le problème pour Clisthène était la refonte des institutions athéniennes. Pour Platon, le fondement de la cité. Quand on passe de l'effort d'organisation de la cité réelle à la théorie, ou à l'utopie de la cité idéale, les rapports du mathématique et du politique se renversent. La cité ne joue plus le rôle de modèle, le politique ne constitue plus ce domaine privilégié où l'homme s'appréhende comme capable de régler lui-même par une activité réfléchie les problèmes qu'il concerne au terme de débats et de discussions avec ses pairs. Ce sont les mathématiques qui ont valeur de modèle parce que dans la tête de cet être exceptionnel qu'est le philosophe, elles reflètent la pensée divine. » Alors, je pense que cette pente, nous roulons dessus actuellement, enfin, c'est depuis un certain temps, et c'est, au fond, l'imaginaire d'un ordre qui serait un ordre spontané, qui n'aurait plus besoin d'être délibéré. Vous savez, Lénine disait « Bientôt, il y aura des temps très heureux, on ne verra plus des hommes politiques sur les tribunes, mais des ingénieurs et des agronomes. » C'est un retour récurrent à cela, et ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir de la technocratie, de l'expertise, et le rapport avec la population attendu comme un rapport de pédagogie. C'est un mot qu'on a entendu jusqu'à plus soif, parce qu'il y a ceux qui savent, qui sont habités, ces êtres exceptionnels qui reflètent la pensée divine, et puis il y a le vulgum pecus qui, lui, ne sait pas, et à qui il faut expliquer les choses. Alors, dans cette espèce d'imaginaire qui me paraît assez présent dans la période contemporaine, la raison est rabattue sur le calcul. Il est vrai qu'étymologiquement, ratio, c'est calculé. Mais la raison est plus grande que le calcul. Et là, ça pose un problème, justement, vis-à-vis de dont j'ai discuté avec des amis informaticiens, ou avec même dans cette maison avec M. Mala. L'apprentissage par les machines, ce n'est pas la même chose que l'apprentissage par les êtres humains. Pour qu'un algorithme reconnaisse un chat, il faut qu'il ait ingéré des milliers d'images de chats. Et puis, si on coupe les moustaches, l'algorithme ne va pas forcément le reconnaître. Alors que l'enfant, il a vu un chat une fois, il l'a eu dans ses mains, il va tout de suite le reconnaître. Quand vous apprenez à faire du vélo, vous ne faites pas des opérations de calcul. Vous apprenez à faire du vélo parce que le cerveau et le corps interagissent. Et le cerveau, la pensée, n'est pas quelque chose qui serait dans une boîte où il y aurait un encéphale qui serait la pensée. Alors, ça, la phénoménologie a beaucoup travaillé sur ça, sur ces thèmes, même si elle n'est plus au premier plan de la réflexion philosophique. Donc, le danger, si vous voulez, de cet imaginaire contemporain, c'est d'identifier la machine à l'objectivité. Si c'est la machine, alors c'est objectif. Il n'y a pas... Pourquoi c'est dangereux ? D'abord parce qu'on élimine quelque chose qu'on a évoqué dans la journée, toutes les opérations de qualification qui sont inhérentes à la constitution des bases de données, parce qu'on ne peut pas compter sans qualifier. Si j'ai des pommes et que je veux aller les vendre, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je les distingue des poires, ce qui est une première opération de qualification. Et puis ensuite, mes pommes, il faut que je distingue les comestibles, les vertes, les pourris. Alors, si je suis vendeur, je vais avoir tendance à être plutôt... Chaque pomme passe en jugement, en quelque sorte. Et ça me donnait un chiffre. Je veux dire, j'ai tant de pommes à vendre. Mais en amont, il y a les opérations de qualification. Ça, c'est un point qui a été très étudié par Alain Desrosiers. Enfin, tous les historiens de la statistique savent tout ça très bien. Et évidemment, les gens qui conçoivent des algorithmes le savent aussi. Vous avez la formule, je crois, « garbage in, garbage out », non ? C'est-à-dire, si on met de la poubelle à l'entrée, on aura de la poubelle à la sortie. Donc, et puis, l'autre raison pour laquelle on ne peut pas s'en mettre aux machines,
c'est que ça élimine la ternarité. Et de fait, hein, la pensée scientifique est une pensée par arborescence, de type binaire, de type logique, alors que le droit implique une ternarité qu'on tend à éliminer. Et là, le droit revient, je vais terminer juste là-dessus, dans cette espèce de va-et-vient, de tension qu'il y a toujours eu entre progrès technique et fonction juridique d'humanisation des techniques. J'en donne juste un exemple, c'est le règlement européen sur les données, qui date de 2017, je crois. Il y a une disposition qui interdit qu'une décision puisse être prise par une machine sans qu'il y ait un recours possible pour la personne qui fait l'objet de cette décision. Là, on voit revenir, si vous voulez, l'impératif d'un procès, au sens, c'est-à-dire où chaque partie va pouvoir exposer son point de vue, et il va y avoir une décision qui va être prise, et qui va être prise en tenant compte de la singularité, de la situation de la personne, et en faisant les distinctions que j'évoquais tout à l'heure à propos de la common law. Donc il me semble que le concept d'équité est pris dans ce mouvement, on l'a vu pour d'autres notions, et que le dialogue donc, entre le droit et les sciences humaines, la technologie ou la biologie, doit continuer à se poursuivre, et on ne peut que remercier très chaleureusement Dario Mantovani, Madame Mathieu et tous ceux qui ont participé à cette première journée de nous y avoir engagés. Donc, merci à tous. Profitez bien du couvre-feu qui, grâce à la sagesse du Conseil scientifique et du gouvernement réuni, vous permet de gambader jusqu'à 21h, je crois, ce soir. Hein ? Et puis, rendez-vous à demain matin.